J'aurais voulu avoir une carrière d'actrice, Axelrod, pourquoi elle a renoncé à son rêve. 20 ans pile après son tube Manhattan Cabool en duo avec Renaud, Axelrod fait son grand retour sur le devant de la scène. La chanteuse belge sort à la surprise générale un album de chansons de Noël, intitulé The Christmas Album. Une idée qui lui est venue de Philippe Van, son mari est également directeur artistique. Il faut dire que la chanteuse de 54 ans avait besoin d'un beau moment de bonheur et d'harmonie après avoir connu une période délicate durant la crise sanitaire. Le Covid m'a cassé psychologiquement. J'ai été très affectée parce que ce premier élan de solidarité s'est très vite transformé en accentuation des discriminations. Mon mari m'a vue éteinte. Il est aussi mon directeur artistique et il m'a proposé cette idée. Cet album m'a régénéré, a-t-elle confié hier dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue. Un mari qui a également joué un rôle plus tôt dans sa carrière, qui aurait pu prendre une tournure inattendue. Axelrod a en effet révélé avoir failli réaliser son rêve, devenir comédienne. À part un petit rôle dans un film belge sorti en 2004, la chanteuse n'est pourtant jamais apparue au cinéma ou à la télévision. Un choix douloureux, qu'elle a pris pour sauvegarder son mariage, j'ai décidé de ne pas persévérer dans cette voie parce que je savais qu'on ne pourrait pas partager ce truc-là et qu'on se perdrait, explique-t-elle. Une dynamique qu'ils ont visiblement choisi d'appliquer dans de nombreux choix de vie, lui comme moi avons fait des choix en fonction de l'autre. Moi, j'aurais voulu avoir une carrière d'actrice, j'aime beaucoup ça, ajoute la maman de trois filles. L'envie de partager des projets musicaux et ainsi faire vivre leur passion commune aura été plus forte que ses ambitions personnelles. À moins que l'appel du cinéma ne finisse un jour par être trop fort,